titulaire de Génération Foot qui était longtemps blessé et qui est apte à rejouer en quelques semaines du démarrage du CHAN, le championnat national d'Afrique, donc qui va se dérouler en Algérie, qui sera au mois de janvier prochain. Papa Mamadou Sy qui revient donc tôt, Amadou Diallo également devant, Malik Mbaye devant, Idrissa Gueye devant, Sadi Boussane également devant avec Serigne Saliou Faye, Cheikh Oumar Ndiaye qui est le capitaine et le patron de la défense, Djibril Diarra également relevé. D'abord, bonjour et bienvenue donc sur GFTV. Le souhait que je souhaite. Et là, c'est le coup d'envoi de cette rencontre qui vient d'être donnée par le directeur de la rencontre, M. Sidi Barafal de la CRADE. C'est parti sur une tête. Non, c'est le gardien qui a claqué ce ballon une fois. Deuxième balle pour Génération Foot. La tête contrée une nouvelle fois. Et le danger est repoussé. Il a pris beaucoup de buts ces temps-ci. Attention, là c'est un bon centre. Le gardien va sortir. Magnifique. Il arbitre, c'est joué rapidement. Attention à ce changement de côté. Attention à ce changement de côté. Ce ballon pour Sori. Sori qui frappe. Mais c'est dans les bras. Le prendre pour l'obliger. La tête. Il faut accélérer quand même. Il faut accélérer. Tu vas faire face à Bakary Sané. Il va essayer de se défaire son vis-à-vis de centre. Regarde le ballon Ousmane. Qu'est-ce qu'il va faire? Un dénouement de Papa Amadou Diallo. Ça peut donner quelque chose. Le centre de Papa Amadou Diallo. Le capitaine pareil du Saint Diallo. C'est bien fait. Avec Sori Diallo. Sori. Il est cap sur le côté là-bas pour Eliman Omar Cissé. Le centre en retrait. La frappe contrée. C'est un jeu qui est favori. Oh, Amadou Diallo. Amadou Diallo qui va s'en mêler. Non. Amadou qui va passer à Idrissa Gueye. La frappe de Gueye. Petit filet. À la 39e minute de jeu, c'est parti, la tête! Ousmane pour qui? C'est ça le faillite. Devant la surface, tu as vu la frappe, ça passe là. Oui, Amadou, le pont est passé. Ballon pour Malik Mbaye maintenant. Malik Mbaye qui va travailler son vis-à-vis, le centre tire! Ça passe. C'est parti! Ça passera au-dessus. Ballon perdu. Avec qui? Idrissa Gueye. Idrissa Gueye, la frappe de Gueye! Mbaye sur ce ballon. Balle récupérée par Idrissa Gueye. Idrissa Gueye qui va s'amener son ballon. Idrissa Gueye, il n'y a pas de solution. Idrissa Gueye, il n'y a pas de jeu de soutien. La frappe de Idrissa Gueye. Il est rapide. 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 Il est magnifique, magnifique. Finalement, en touche pour Diamba, rapidement joué. Ballon pour Oumar Cissé. Il y a pénalty. Il y a pénalty pour Diamba. Ouais, oui. Petit effet. Là, c'est un pénalty indiscutable. Il change. Voilà. Là, c'est Moulay Diagne. Il va frapper en force, me semble-t-il. Malay en force, contre-pied parfait. Égalisation de Diambar, c'est Malay qui a marqué ce but qui permet à l'équipe de Diambar de revenir à un partout. Il attaque avec cette fois-ci. Bonne balle. Oumar Cissé, c'est le but. C'est le but de Diambar. C'est le but de Diambar sur ce contre. Voilà, je le disais. Ah. Il fallait nous gêner le plus rapidement possible Eliman Cissé. Ah oui. Là on a vu quand même la passe qu'il a servi à la passe en profondeur. Isaboué qui fait le centre pour eux. Amadou plutôt. La frappe de Moussa Fall. Qui ça va pousser le petit crochet, il est parti. Mortal Mbaye, le centre tire, la tête sur le gardien de but. Olenko Lakhdiap Sembokhlo Moussa Fall qui se lève dans les airs. Non, une tête molle.
Ah, ballon perdu. C'est terminé. C'est terminé. C'est la victoire de Djambar. Encore une fois sur la pelouse de Génération Foot.